Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Walkthrough de Sonic et Knuckles. Voilà, Knuckles, et pas Knuckles. Apparemment, il faut pas prononcer le K. Bon, très très bien, puisqu'on me le dit, je m'exécute. Vous avez de la chance aujourd'hui, parce que je comptais aller prendre mon train, et il se trouve qu'avec la canicule, il était annulé. Donc, en conséquence, je ne suis pas parti, je tourne une vidéo. Tout est normal, bien sûr. Vous avez de la chance. Allez, on continue la suite de cette aventure dans le Garden, Marble Garden, je crois. Je crois bien que ça s'appelle comme ça. Du coup, je suis complètement pro dépourvu, puisque ce n'était pas du tout prévu. Il fait 45 degrés dehors, et moi je tourne une vidéo au chaud chez moi. Bref, ah, quoi ? Attends, déjà pourquoi j'ai 69 rings, ça me paraît énorme. Voilà, Marble Garden. Ah oui, c'est parce que, voilà, au début on... What ? C'est qu'est-ce que c'est ça l'éclair ? Ah, le bouclier éclair, d'accord, pour être protégé contre ben, l'électricité. Ça me paraît logique. On acquiert plein de petits rings. Ça attire les rings aussi, ça c'est pas mal. Qu'ils soient à proximité. Ah non ! Ouais, ah, je pouvais aller... Ah, attendez, c'est bizarre, je peux faire un double saut, non ? Oula, oh là 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 là. C'est l'anarchie totale. D'accord. Alors, où suis-je? D'accord, là, je suis revenu au début. Très bien. D'accord, je me retrouve avec mes 60 rings. On va essayer de garder notre bouclier le plus longtemps possible. Est-ce que je peux le buter, ce truc? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça a l'air un peu chaotique, ici. Alors, j'ai le choix d'aller en haut ou en droite. On va tenter par là. Un peu de plateforme. Je vais essayer de faire un peu plus gaffe. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non, pas l'espèce de petite boule. Ah, je la repousse. Je repousse les boules avec mon bouclier, c'est énorme. Excellent, ça. Enfin, un bon truc. Attention, on pique par contre. Ça m'aide vachement, parce que j'imagine sans, ça aurait été horrible. C'est quoi, ça? Je suis assez impressionné quand même par le nombre de... mécanismes... Oh! Oh, comme ça, c'est une super idée. Ça permet de charger le décor. Mais regardez, il y a tout le temps des trucs nouveaux à chaque fois. C'est quoi ça encore? Une toupie? Ah! D'accord, je m'élève en l'air. Est-ce que je peux redescendre après? Ça redescend tout seul? Non! Oh putain! Les petits arbres fruitiers. C'est magnifique. Oh non! Oh! Calabruti. Calabruti. Ah, est-ce que je peux y aller comme ça? Ah, ça passe aussi, d'accord. On charge la toupie. Et on y va, d'accord. Ah, c'est marrant. Alors, attention. Yes, j'ai eu de la vie. Mais qu'est-ce que je... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé encore là? Pourquoi je suis retombé? J'étais pas... J'étais pas à côté, non? Je vais essayer de moins me presser, davantage apprécier la chose. Voilà, les décors et tout. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, en général... Ah, c'est parce que ça s'est écroulé, d'accord. En général, j'essaie d'aller assez rapidement pour faire le maximum. Hein. Merde! Oh non! Oh, j'ai perdu mon bouclier. Cela devait arriver un jour. Attention. Mais putain, mais c'est... Mais quelle connerie, ça pique. Il y en a partout. Concentration. Oula. Ok, on peut l'avoir comme ça, lui. C'est très joli, ici. Le petit jardinou. D'accord. Ouais, je disais la dernière fois, en fait, que j'étais un peu... En fait, c'est extrêmement homogène, je trouve. L'espèce de... En fait, ça peut être un peu contradictoire, parce que justement, c'est bordélique, le... le level design de Sonic, mais je trouve ça quand même homogène. Il y a une certaine forme d'homogénéité dans le bordel. On arrive à reconnaître un level design de Sonic entre d'autres jeux de plateforme. Et du coup, voilà. Je trouve qu'il n'y a aucun niveau vraiment qui se démarque avec une... Bon, il y a tout le temps des thématiques différentes, mais... Oh là, où suis-je? Oh, oui, il y a des petits trucs de gameplay par-ci par-là qui changent un peu. Ah, le bouclier de retour. Mais je sais pas,
Ah merde. Ah, j'avais 30 rings. Juste 30 rings pour faire le truc bonus que j'ai jamais compris encore. Est-ce que je peux revenir par là? Pas du tout. Oh putain, où je vais là? Oh, je reviens en arrière. Ah, mais c'est pas possible. Quelle galère. On va l'esquiver. Ah, je peux peut-être remonter par là. Ah, bon, je crois que c'est mort. Faut pas trop en demander. Ah d'accord. Notre bien, j'ai pas réussi à sauter assez loin. Je peux aller en bas peut-être. Ah oui. Faudrait un niveau bonus là, faudrait que je m'entraîne. Je me suis pas entraîné d'ailleurs hors vidéo dans ce niveau bonus. Vous m'avez donné pas mal de petits conseils pour essayer de progresser. Oula, de faire mieux en tout cas. Ah, je peux peut-être le buter ce truc. Ah, pour une vie. Très bien. J'adore ce jingle. Oula, attention quand même. Je n'avais plus d'élan. Oh non. Ah oui, c'est leur petit truc sur le front. Trois coups. Et ça les bute. Très bien ça. Oh, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'il y a tellement d'embranchements. Oh. Il y a tellement d'embranchements à chaque niveau que... Mais putain. Il y a tellement de pics aussi. Il y a tellement d'embranchements qu'on peut vraiment refaire le jeu sans... sans prendre le même chemin du tout. On peut vraiment découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Putain, mais... Par contre, au niveau de la difficulté... Oula. Franchement, on est qu'au début du jeu et j'ai l'impression que c'est déjà super dur. Merde, il me faut la toupie. Elle s'est enfoncée dans le sol. Faut que je la fasse repopper. Elle est là. Alors attention. On charge. Hop. Et elle se lève dans les airs. Ah. Merde. Ouf, j'ai réussi à sauter à temps. Je sens le secret par là. Allez. Eh ben. Ou pas, non. En fait, tu peux pas passer. Ah putain, les pics en bas. Ça n'arrête pas. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Ça se casse pas ça? En bas, par en bas? Non. Mais c'est tellement grand, mon dieu. Bon, ça sert à quoi ce coin là? Faut passer par là absolument. Encore des rires. Je me dis à chaque fois à quoi ça sert parce que je vais les perdre juste après. Oh là là. Oula. J'ai l'impression que c'était le pic qui me balançait. Non. Oh. Ah alors attends, attention, voici le machin. Comment ça se passe ça, sans déconner? Oh. Ah mais il est différent celui-là. Qu'est-ce que c'est quoi ça? B, je fais tomber les boules. Très bien. Il y a un one-up, je vois. Je comprends rien, c'est quoi ces boules? Faut peut-être faire tout tomber. Ouais. Oula. J'ai plus de trucs pour sauter. Je sais même pas si j'ai débloqué un truc. Oula. Ah, c'était lui le mini-boss. Alors attention, oula. J'ai mon petit bouclier. Ah, là, je peux sauter dessus. Excellent. Bon, je pense qu'il faut pas que j'esquive les pierres, hein, parce que si je les touche, ça ne fait rien, de toute façon. Et bien, c'était très simple. Ah, le panneau, le panneau. Ah, j'ai pas réussi à sauter dessus. Tous les nounous. Acte 1 terminé. Bah, du coup, vu qu'il y a 14 zones dans le jeu, il y en a 7, je crois, pour... Non, 6 ou 7, j'ai plus pour Sonic 3, et 7 autres pour Sonic et Knuckles. Ça fait d'office 14 vidéos. Oula. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Incontrôlable. Comment je fais pour charger mon truc alors que je bouge dans tous les sens? Si je me mets là peut-être. Putain, je comprends rien. je suis obligé de charger. Ah non, mais je rebondis contre le
le petit cercle là, le petit cerceau. Très bien. Ah, il faut peut-être juste que je recharge, non? Oui. Ah non, d'accord, je peux m'accrocher. Ah, ok. J'avais vraiment rien compris. D'accord. Mais oui, il y a encore un nouveau truc. Après, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est juste des petits trucs de gameplay, quoi. Mais déjà, qu'on retrouve... Oh, je me fais toucher. Qu'on ne retrouve plus après. Ah, attendez, faut peut-être continuer. Pourquoi il y a déjà le boss? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Une espèce de sauterelle? Il y a un truc qui s'écroule en fond. Merde! Je suis obligé de tomber. Ah, au secours! La toupie. Mais c'était quoi? C'était. Là. Ah merde, il y avait un truc là-haut. Il y a tout qui s'accélère. C'est une feinte là, le Robotnik en fait, c'était pas le boss du tout. Très bien. Ah, c'est pas mal parce qu'il y a quand même une. Merde. Non! Il y a une petite apparition comme ça de Robotnik un peu subite. Pour faire avancer le scénario, malgré tout. Ah, mais on n'est pas obligé de charger contre ces trucs bleus. D'accord. Alors, en haut ou en bas? On va tenter en haut cette fois. Toujours pas de zone bonus. Dommage, j'en trouvais plein au début. Et je n'en ai point vu jusqu'à présent dans cette vidéo. Même dans la précédente, je crois. Ah si, j'en avais vu une dans la précédente, mais j'avais rien capté, quoi. Saloperie. J'avais pas capté qu'on pouvait sauter, je crois, dans les zones bonus, en fait. Oh, merde, attention, j'ai plus mon bouclier. Ah, faudrait que j'exploite plus aussi ça, là, l'espèce de double... La petite attaque tournoyante, là. Alors, attention, attendez, je vais essayer de... d'activer ça. Voilà. On était obligé, je pense. Attention à lui. Ok. Ça, on a capté. C'est marrant. Par contre, il faut s'accrocher. Merci. Non. Le truc bonus, vite. Même si je comprends rien. Ah, c'est pareil, c'est pareil. Ah, mais d'accord. En bas, en fait, il y a des... Il y a des ressorts. Mais c'est du hasard total, non? Comment je peux avoir le one-up? Ou alors attendez, faut que je chope les trucs? Oh là là, je comprends. Il me ramenait vraiment rien. Mais rien du tout. Bon, tant pis. Je crois qu'il faudrait que je me renseigne sur les zones bonus, hein, parce que là, ça va pas du tout. Si je peux pas obtenir des vies. Alors. Oh putain, mais non. L'invisibilité qui arrive juste après. Pas de secret par là. Je monte ici. Merde. Je gâche mes invincibilités à chaque fois. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais aller... Oh mais putain. Je vais aller trop vite, ça y est. Attention, j'ai plus de ring. Merde, faut la droite. Mais je sens qu'à gauche il y a un truc. Oh, ça sent la récompense. Alors. Ah, il y a un truc là, c'est sûr. Ah, c'est sûr, il y a un truc là. Mais c'est obligé, putain. Vas-y. Je fais ma récompense, moi. Doudoudou. Très joli ce niveau. J'aime beaucoup les. De toute façon, au niveau vraiment. Purement esthétique et technique. C'est vraiment magnifique. J'aime bien de toute façon les jeux. J'aime bien les jeux rétro. Donc j'avoue que ça a toujours son petit charme. Que ce soit à l'époque ou maintenant, je trouve ça toujours aussi agréable à regarder. Alors, oh merde. Complètement loupé. Est-ce que j'étais obligé de la choper? Je ne pense pas. Bon, ça m'aurait facilité un peu la tâche, mais... Je crois que j'étais obligé, en fait. Mais non!
Redescends, s'il te plaît. On va se la retaper. Bah. Ça va pas marcher cette fois. Oh putain, j'arrive pas à revenir. Ça, par contre, c'est chiant, hein. Bon, des fois, on n'arrive pas à maîtriser Sonic. Voilà, merci. Voilà, on était obligé. Bon, ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Certainement les lois de la gravité. Ah, le sale... sale insecte. Je saute pile sur la bouche. D'accord. Ils sont super longs les niveaux. Hein. Ils sont plus vastes, ils sont plus longs. Ils sont plus fouillis. Tant mieux. C'est vraiment la synthèse, je trouve, de Sonic 1 et 2. C'est un peu l'aboutissement. C'est exactement ce à quoi on est en droit de s'attendre avec un troisième opus. Qui synthétise un peu les codes de la série. Enfin, c'est pas même pas une synthèse, c'est vraiment un aboutissement, ouais. J'ai l'impression qu'il améliore tous les aspects, tout est plus varié, tout est plus beau. Merde, je peux passer là après. Oh là, ah mais le truc il descend. Oh non, je vais me faire avoir. Le niveau descend. Oh non. Mais c'est excellent. Le truc s'écroule. Mais attendez, c'était à gauche, non? Je sais plus. Oh merde, c'était très... Oh. Non, c'est bon. On va juste choper le bouclier et on revient. Ok. Ah, là, voyez, par contre, ça, c'est vraiment un élément... Voilà. Qui se démarque. Le truc, il s'écroule complètement. Ça, c'est vraiment bien. Peut-être que je vais me souvenir de ce niveau en particulier, parce qu'il y aurait eu cet élément. Oh, attendez, j'ai fait un truc de ouf. Mais c'est quoi, ça? Mais what? Mais non. Et... Oh, mais c'est pas possible. On voit pas très bien où faut aller, par contre, là. Je crois que ce bouclier me perturbe un peu, là. J'essaie de faire des trucs de ouf sans le vouloir. Attendez, comment ça marche? D'accord, si je saute et que je fais une attaque, ça fait propulser Sonic, une espèce de boule d'énergie. Excellent. Ah d'accord, mais c'est à la fois le bouton de saut ou le bouton d'attaque. Ça fait pareil. Ok. Bon, pas sûr que ce soit forcément très adapté à ce passage du jeu, mais bon. Maintenant que j'ai compris, ça devrait mieux aller. Ouais, si je veux me grouiller... D'ailleurs, je suis peut-être pas obligé de me mettre en... Enfin, de rouler. Voilà, si je fais comme ça peut-être... Mais vite! Oh putain, je m'embrouille trop. Je maîtrise pas assez là les pouvoirs. Vite, vite, vite. Voilà, c'est par là. Voilà, là il faut passer. Ok. On garde le rythme. Oh putain. Fallait où? Faut attendre certainement. Oui. Le checkpoint. Tiens, pourquoi il y a ça? Je crois qu'il fallait 30 rings pour l'activer. Oh, jackpot, jackpot, jackpot ring! Oh non, qu'est-ce que c'est que ça encore? Un truc tournoyant. Je peux revenir au milieu peut-être. Je peux réactiver le jackpot. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. La cible au milieu. Il y a des espèces de triforce derrière, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des triforce en 3D. C'est toujours aussi... étrange ces trucs, je sais pas où ils sont. Ils vont aller chercher des... Oh là là, mais où est-ce qu'ils vont chercher des bonus stages pareils, quoi. C'est tellement psychédélique. Alors, est-ce qu'on va retrouver Robotnik à force? Il nous nargue depuis le début, là. J'adore ce niveau. Pour l'instant, c'est mon préféré. De Sonic 3. J'espère que ça va ne faire que s'améliorer. Allez. Ça sent le boss. Ah, il y a un gros pilier en plein milieu.
Alors bon, je suis un peu déçu par les machines de Robotnik jusqu'à présent. Merde, c'est quoi ça? Chou? Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Ah, faut attraper Tails. Ah, il nous porte. Ah non, mais faut pas que je saute du coup. Il va me chercher. Et oui, mais si j'appuie sur B, je saute aussi. Alors attendez, il faut juste que j'esquive peut-être. Comment je peux le toucher maintenant? Certes, je vole. Je crois que il y a vraiment rien à dire là, c'est quoi cette scène de ouf? Avec Robotnik, le mode 7 et tout. Comment je le touche? Ah mais oui, mais faut que je me lâche quand il passe. Quand il passe dessous. Alors, attention, là. Ah merde, faut pas toucher le pot d'échappement. Ah non, j'ai perdu mes rings. Ah, j'ai touché l'arrière, je pense. Mince, mince, mince. J'ai plus qu'une vie. Je n'ai plus qu'une vie. Ça commence à devenir compliqué. Bon, attention. Je vais rester dessus. D'accord. Bon, il ne devrait pas être aussi compliqué. Mais une fois de plus, c'est vraiment une bonne idée. Alors, peut-être qu'il faut que j'utilise ça, là. Contre Robotnik, je sais pas trop. On va bien voir. En tout cas, il faut pas que je crève. Parce que là, j'arrive à la fin de la zone. Hein. Mince. Mais il fait ça d'un coup, non? Ah, mais non! Ah, putain. Ça y est, j'ai déjà plus de ring. Concentration. Merde. Ah, j'ai peur de sauter, hein. Ah, je peux me raccrocher. J'arrive à me raccrocher à Tails. Oh! C'est pas possible. Mais quel enfoiré! Mais non! Non, je suis dégoûté. Mais d'où il pop au-dessus? Mais c'est pas possible, oh non! J'ai plus de crédit en plus, j'ai plus de continu. Ah si, mais c'est vrai qu'il y a l'essai. Je vais revenir au début de la troisième zone, c'est ça? Enfin, la troisième zone. Oh, je suis dégoûté. Écoutez, bah, je veux pas vous imposer de... un deuxième coup, voilà. Je vais pas faire durer la vidéo pendant 3 heures. Je vais faire une coupure et je vous retrouve au boss. En essayant de... d'y arriver avec plus de vie. Mais rien n'est moins sûr. A tout de suite. Ah oui, si je commence comme ça, très bien. Est-ce que je peux revenir à l'écran titre? Non. Je peux juste mettre pause. Ah, c'est marrant, on peut faire des trucs stylés, là. Si je mets pause pendant que Sonic tourne. Bon. A tout de suite pour la revanche du boss. Bravo. Yes!
Encore, encore, oui, encore. Merci beaucoup. Allez, on y croit. Je fais une petite save parce que j'ai pas envie de tout me retaper encore une fois. La vache, ce niveau, c'est quand même pas rien. Déjà, j'ai réussi à toucher plus de fois Robotnik. C'est pas mal dès le départ. Allez, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que ce boss, c'est juste que j'ai du mal à bien viser, tout simplement. Alors attention, qu'il ne fasse pas le même coup. Qui repop par le haut de l'écran. Je sais pas si on peut deviner par où il pop en fonction de là où il part en fait. Quand il s'éloigne. Vous voyez là il va vers le bas, je pense qu'il va revenir vers le bas. Voilà. Ensuite il s'éloigne vers la gauche. Il va venir vers la gauche. D'accord, c'est ça. J'ai compris ton petit stratagème. Et voilà. Putain, c'était vraiment pas compliqué. Je suis un peu deg. J'aurais dû tout refaire. Hop, on libère les petits animaux. Et on s'arrête ici pour cette vidéo. Parce que du coup, ça a duré beaucoup trop longtemps. Oh, la nuit du carnaval. Ah, il y a toujours un truc un peu étrange dans Sonic. Et ce sera certainement cette zone-là. Ça va me plaire, je pense. On coupe ici, on coupe tout, coupez tout, coupez tout. À la prochaine pour la suite.